Viens commenter. Il entend rien, viens commenter. Non, c'est bon, t'es prêt? Ça va y aller. T'inquiète pas, il suffit de crier très fort et tu entends. Ok, d'accord. Non, c'est pas bon. Alors, ok, c'est Battlefield. Alors, alors, normalement, le match, voilà, c'est un peu ça. C'est genre bonjour, on va tirer des projos. Hein? Ouais. On va tirer des. Ah, oui, vas-y, ok, ça va se. Scène de jeu. Ah, oh, nickel. C'est nous aussi. Voilà. Donc pour l'instant, ça cherche, ouais, oh là, et ça opère, fait, mais attention, on s'amuse qui est déjà à 95. Attends, c'est qui? C'est ADN à gauche. Allez. ADN, je vais l'appeler No Shield. Voilà, ok. Et lui, ce sera Famas, c'est ça? Ouais, Famas. Donc, ta mère. Comment on édite? Ah, ok, ça c'est bien. On apprend la technologie, excusez-moi les enfants. Famas, le Famas, le fameux Famas. Oh, oh, ça tire. Ça tire. Alors, il manque déjà une vie à Famas, excusez-moi, j'ai rien compris. Donc, pour l'instant, normalement, le match-up, dans la théorie, c'est le camp. Apparemment, pas du tout. ADN arrive à rentrer dans la zone de Famas. Famas qui balance des aérios et qui se fait juste punir par ADN. Qui a pas encore appuyé sur R une seule fois. Enfin, c'est normal, c'est ADN. Oh, il s'est trompé de touche. Il voulait faire un fond à Boisker ou un truc comme ça. Si tu penses, oui. Oui. Famas qui est quand même déjà sur deuxième stock. Oui, mon maître. Ouais, pour l'instant, ça change la boule à l'aide, ça a pas peur. Oh, le shield grab. Ça, c'est normalement une mécanique qui devrait plus exister. On est d'accord. Attends, le bourrage du shield, c'est très dangereux. Parce que tu lui as mangé le shield là, j'ai peur. Oui, c'est très dangereux parce que Samus peut vraiment péter des shields. Ouais, ça va le missile, bonjour. Faut pas faire de missile à bout portant. Il est pas mort. Pardon? What the fuck? Y'a DI et DI, mec, tu viens de te prendre une patate de DK quoi. Mais savent-il DI? Mais quoi? Ah oui, ouais, mais il y a 0-0, le stream le sait. On va dire ça. Ouais. Et quand on a enlevé, fini de mettre les noms, Famas elle avait perdu une vie. Là on va enlever le truc, ça a déjà perdu une autre vie là. Mais c'est pas nous qui lançons le match, cousin. Ok, alors, le neutroleur qui a placé. C'est un rare backer, c'est un rare backer de qualité. Backer ou neutroleur, enfin peu importe. En tout cas, c'est de la merde. Allez, ça fait des roulades, c'est un peu. Oh là là. Pourquoi il chie? Et comme d'habitude, ça cherche, le grab a été trouvé, on commence à faire mort. C'est normal. J'ai envie de couper, on voulait commenter. Oh, attention. Est-ce que ça va être clair? Non, ça charge la boule à l'œil, c'est un peu dommage. Ah, c'est loser. Ah là là, tu sais loser. Incroyable. Oh, coup de boule, tiré tentative de rift, bel air dodge. Oh là, pas de finish. Oh si, quand même, forward air. Pas de réaction de Famas. Famas, quasiment à 10%, je dirais. Peut-être sur un confirme, il est mort. Oh, il lit les jumps, il lit les recos, c'est pas dégueu quand même. Il se déroule mieux que ce que je croyais ADN. Oui. Là pour l'instant, par contre, il lane au calme et Famas il punit pas les lanes d'ADN qui sont vraiment pas safe. Hein. Oui, oh. Ok, alors ADN encore une fois a appuyé sur R en tout et pour tout deux fois dans le match. Et depuis qu'il a une switch, il a appuyé sur R 5 fois. Très bien, bien joué ADN. Pour l'instant, bon. ADN qui a mis à la poubelle Famas. Ah ouais, faut pas dire des choses méchantes. Voilà, c'est le premier match, c'est le stress. Voilà. Ils sont losers, ils sont un peu stressés, c'est normal. C'est ça. Donc ils jouent en aléatoire, c'est des mecs qui ont pas le temps. Oui, je crois qu'ils jouent en DF, ils avaient mis DF la dernière fois. Non, c'est un Battlefield là. Ouais, Battlefield. Je crois qu'ils jouent en DF là. Ah, j'ai pas vu. Oh là, okay, ça tente le. Alors, Dark c'est le Samus. Respect de qualité. Le Dark Samus. Alors, de qu'est-ce que tu sais de la différence entre Samus et Dark Samus? Je les connais pas. Au niveau des différences. Ouais. Quelles sont les différences? Alors, de ce que j'en sais, je pense que Dark Samus a déjà de meilleures hitbox que Samus normal. D'accord. Dark Samus fait plus de pourcents. Attends, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on aura un souci? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Ok, le match reprend, mais... Je sais pas, peut-être qu'il y a un petit souci au niveau de... L'organisation, ouais, je pense. Non, pas de l'orga. Ouais, bah, de l'organisation des joueurs, plutôt. Bon, bah, ils ont l'air... Ah, okay, c'est parti, bon, ça... ADN, avec le classique ADN, une fois qu'il a fait des projets, il attaque. D'accord. Oh, le downer, c'est quand même belle hitbox circulaire, en deux cercles, pas dégueu. Bon spécifique d'ADN, ça m'étonne de dire ça, mais pas mal. Ouais, pas mal. Downer de qualité, pour l'instant, Famas en sueur. Vous savez, ça risque match-up. De bourrer un smash. Ah bah là, pour l'instant, c'est pareil, c'est ADN qui fait les attaques et Famas qui prend les attaques. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il prend très cher, il est offstage. Voilà. Là, il a plus d'invincibilité. ADN, pas du tout en sueur. Ok, ADN, oui, normalement, mais je sais pas qui a mis ça, c'est pas marqué sur le jeu. C'est un peu dommage quand même. Alors, faut éviter les roulades avec Samus. Hein? Il n'y a pas d'alcool ici, c'est que du jus de fruits. C'est du jus de fruits.
Ah d'accord. Ok, le neutral pick a été touché avec le side piece. Il a un missile et il s'est pris un petit cadeau bonus en sortant. Oui. Oh, ok. Dans nerf d'ADN, normal. Là, c'est puni parce qu'il n'y a pas assez de stun. Ok, le neutral pick, il lock. Pas mal. Alors, il aurait pu avoir un combo. Il faut quand même savoir que maintenant, c'est plus des vrais locks. Oui, c'est ça. Voilà. On a quand même l'animation. Oui, il y a l'animation, mais on peut react. Comme ça. Voilà. On peut quand même react, wake up attack, etc. Oui, tout ça. Il n'a plus la neutral qui est lock. Obligatoire, c'est ça. Voilà. Et mais c'est on peut, je crois qu'on peut quand même le refaire une fois, genre avoir la même animation, un truc comme ça. Oui, deux fois. Deux fois, deux fois en total. C'est pas dégueu. La troisième fin fonctionne. Et tous les jabs lock. Quasiment tous. Ok, le neutral pick a été trouvé au stage. Une première stock enfin de Famas, ça fait deux matchs qu'on attend. Ok. Pour l'instant, alors le missile de Dark Samus apparemment a du start-up, c'est-à-dire qu'il reste en place. C'est un peu comme le bécoté de villageois avant. Oui, il semblerait. J'ai pas vu pour Samus. Est-ce que Dark Samus a aussi deux missiles différents? Alors honnêtement, je sais pas, mais j'ai l'impression que celui de Dark Samus prend plus de temps, mais fait plus de dégâts. En tout cas, il y a bien deux missiles différents. Oui. On voit bien. On découvre un peu le jeu, hein, excusez-moi mesdames et messieurs. Hop. Pour l'instant, ça. Voilà, c'est toujours en fait, c'est un schéma classique. Il fait deux projectiles et après il fait une attaque. Genre, il utilise les deux projectiles différents. Et c'est un peu la même chose pour Famas. Ouais. Aden qui cherche le kill et qui commence à bourrer. Ouais, bah il peut en même temps, pour l'instant, pas de réponse de Famas. Il arrive pas vraiment à rentrer dans la zone d'Aden. Et même quand il est dedans et qu'Aden vient de mettre un coup, il préfère faire une roulade derrière. Ça, c'est un peu dommage, il a un peu trop peur. Ouais, exactement. Après, on voit que ça manque un peu d'expérience. Aden qui est un joueur très agressif pour ceux qui le connaissent, il va probablement tirer sa boule magique. Il se bat de jouer agressif et de mettre la pression parce qu'à 148%, il faut trouver le kill maintenant. Surtout avec Samus, on peut nerf, faire, etc. Ah, et bah voilà, la soca a été bonus. Un backer. Le backer qui est extrêmement puissant. Le backer est très fort. Ça va très loin avec un très gros backer. Ah, elle clignote, c'est normal. C'est parce qu'elle a le béchargé. Oui, elle a son béchargé. Alors là, Aden qui a failli abuser, mais apparemment ça va. Bonne réco Samus. Ok, d'accord, ça le met en stage, ça cherche le der, mais ça n'a pas trouvé, ça n'a pas abouti. Ok, y a pas vraiment de setup, c'est un peu dommage. Oui. Zen, tu vas y arriver, t'es le meilleur. Oh là, ça fait des esquives aériennes. Ok. En arrière, en avant. Le troll vie qui est totalement perdu, mais le père qui touche, le dernier hit. Ouais. Pas de setup, il laisse ADN retrouver l'edge, il l'attend quand même. Le troll vie qui risque de sortir. Oh là 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 là. Oh, le père qui l'a pas touché. Mais ADN qui va peut-être faire une erreur fatale. On va voir. Si Famas arrête de bugger et qu'il arrête de faire des esquives. Enfin bon, je peux pas lui dire. Pour l'instant, voilà. Catch le landing, tout va bien. Aden a un pattern assez simple normalement. Voilà. Et il le force à sauter, il essaie de punir dessus, voilà encore une fois. On le voit, c'est pas mal. Est-ce qu'il va réussir à faire sauter? Ah non, Aden commence aussi à camper. Attention à la priorité, toujours penser. Est-ce que mon projectile passe au travers? Oh, excellent combo. C'est forward air tout apparemment. C'est un des hits. Il a cassé smash. Forward smash, pas dégueu. Ça fait quelques temps. Égalité pour l'instant. Un petit avantage à Aden, voilà. Positionning avantage. Zoning. Et catch pas le landing, il bourre les smash. Oh, il a encore roulé. Et pourtant, faut pas paniquer quand tu vois le missile. Faut vraiment au pire. Oh, le backer qui a été trouvé, il se prend la stock. Putain, kill à 110. Du coup, là, nous avons. Il a 2-0. On l'a pas dit, ouais. Le premier, c'est Donkey Kong. Donkey Kong Samus, ça fait 2-0 pour ADN. Petite victoire d'ADN tranquille.